Le prince Charles suit les traces de feu, son père, le prince Philippe, en prononçant un discours poignant sur la protection des océans du monde lors d'un sommet historique cette semaine. Le prince Charles a enregistré un discours qui sera diffusé lors de la conférence à Eurocéan, démontrant l'engagement du futur roi pour une cause qui a toujours été chère à son défunt père, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Dans son discours, Charles avertira que le déclin de la santé des eaux à travers le monde est catastrophique et que les conséquences de l'inaction et du statu quo sont inimaginables. La conférence est organisée par les États-Unis et Palau, un archipel de plus de 500 îles de l'océan Pacifique. Le prince Charles appellera à une alliance mondiale entre les organismes privés. Public et les ONG pour protéger les océans du monde pour les générations à venir dans son discours lors du sommet de deux jours. Charles présentera son plan en cinq points pour protéger la planète, en commençant par protéger au moins 30% de l'océan d'ici 2030 et 50% d'ici 2050, selon le Mirror. Le deuxième point du prince est centré sur la récompense des pratiques de pêche durable et la pénalisation de ceux qui ne le sont pas suivi de la lutte urgente contre la pollution plastique à grande échelle. Charles dira, Nous avons vu des preuves sans équivoque que les plastiques non seulement polluent nos eaux, mais pénètrent dans nos chaînes alimentaires et dans notre corps. Nous nous empoisonnons littéralement, point il semble évident que nous devrions rechercher des alternatives naturelles au plastique et passer rapidement à ces alternatives. En attendant, nous devons soutenir les innovateurs du monde pour intensifier l'élimination des plastiques de nos océans, voies navigables et décharges tout en renforçant les efforts de recyclage et le développement plus rapide de l'économie circulaire. Point quatrièmement, Charles veut garder un océan sain au premier plan de la vision mondiale du tourisme futur. Et enfin. Charles soulignera que la recherche scientifique majeure, que la protection et la restauration des habitats océaniques clés peuvent également jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Le sommet de haut niveau de cette semaine inclura l'ancien président américain Barack Obama et l'envoyé spécial présidentiel américain pour le climat John Kerry parmi ses orateurs. Le discours de Charles au sommet à Eurocéan ne sera pas son premier. Car il a déjà prononcé un discours à Malte lors de la conférence de 2017. Et le futur roi s'est exprimé à plusieurs reprises dans le passé sur l'importance de protéger la planète pour les générations futures, prononçant notamment un discours lors du sommet sur le climat 26 pesos colombiens à Glasgow l'automne dernier. Dans son discours d'ouverture de la conférence, 26 pesos colombiens, Charles a exhorté les décideurs du monde à trouver des moyens pratiques de surmonter les différences afin que nous puissions tous nous mettre au travail, ensemble, pour sauver cette précieuse planète et sauver l'avenir menacé de nos jeunes. Point. La passion de toute une vie du prince Charles pour la protection de l'environnement ceste construite sur les fondations posées par son défunt père, le prince Philippe, décédé l'année dernière à l'âge de 99 ans. Conservationniste connu, Philippe était considéré comme en avance sur son temps avec son plaidoyer en faveur de la protection du monde naturel bien avant qu'il ne devienne un problème courant. Et en tant qu'homme de la marine, l'amour du prince Philippe pour l'océan était un aspect clé de son travail en tant que membre de la famille royale. Philippe a voyagé à travers le monde pour défendre un éventail de causes environnementales et a siégé au conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives environnementales de premier plan, notamment en tant que président du World Wildlife Fund, WWF.